Salut à tous, bienvenue dans votre Quoi de neuf émission sur Zouk TV, bien évidemment, où nous parlons de culture, de société, de politique, etc. Donc c'est complet, complet, complet. Et aujourd'hui, nous allons atterrir, tenez-vous bien, dans une des plus belles communes. Alors là, je vois des nez qui commencent à enfler un petit peu. Les communes du sud de la Martinique, le Diamant. Et j'ai à mes côtés Madame Odile Lagarde, qui est responsable. Bonjour, bonsoir. Responsable culturel du patrimoine. Non, je suis responsable du patrimoine et référente carnaval. Référence carnaval. Oui, référente carnaval. Voilà, et pour représenter la ville, Odile Durance, qui est élue municipale. Alors Odile, vous êtes élue depuis combien de temps? Eh bien, avec le dernier mandat, depuis 3 ans et demi à peu près. Et moi, je suis adjointe en charge de la culture, du sport, de la vie associative. Et donc, j'ai tout dit. Voilà. Sport, vie associative et culture. Cette fibre politique, vous la cultivez depuis combien de temps? Vous avez des antécédents à des parents? Parce que des fois, au Diamant, c'est que ça se passe de génération en génération. Mais c'est pas mon cas. Est-ce que je peux vous dire que, honnêtement, la politique, ça m'intéresse pas. Par contre, je suis de la vie associative, donc je vais porter ma contribution à la commune. Ça m'intéresse. On va arriver dans des événements majeurs qui mobilisent justement les forces vives. Vie associative, au Diamant, il y a combien d'associations tout hasard? Nous avons une trentaine d'associations sportives et culturelles. Culturel, voilà. Et aussi, on a quelques associations qui portent leur soutien à la population. On a une association notamment qui aide les personnes âgées à remplir leurs documents, enfin de l'aide à la personne. Nous avons quelques associations culturelles. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Il y en a même qui ont 40 ans. Nos associations sportives aussi tiennent bien le coup, en fait. Oui, mais là, on va continuer à rester sur le côté politique. Association, mais du côté de la municipalité, est-ce que vous les aidez? Est-ce que Bien sûr. Alors oui, bien sûr, la municipalité apporte son soutien technique, je veux dire, technique et logistique, ouais, voilà, pour leurs manifestations. Exactement. Et puis les associations reçoivent une subvention, bien sûr, à la suite d'une demande. Ils forment une demande de subvention et on étudie les projets et on attribue une subvention en fonction. Voilà. Donc on va revenir vers Odile Lagarde. Alors Odile Lagarde, avec la municipalité, bien évidemment, vous avez contact direct avec les forces vives. Est-ce qu'elles sont, par exemple, lors de la fête patronale présentes? Vous les voyez? Ah oui, très présentes. Les associations du Diamant défilent et en grand nombre, en tous les cas. Voilà. Ouais. Là, maintenant, avant de parler fête patronale, nous allons parler, bien évidemment, de ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi le carnaval. Le carnaval martiniquais, avec son cortège de manifestations, à savoir des élections, et puis après, il y a les grands rendez-vous, les déferlements dans la rue, etc. Alors, Odile, est-ce que vous avez constaté que le carnaval, également, il avait une place importante au Diamant? Alors, ce que je sais, c'est qu'au Diamant, on aime beaucoup tout ce qui est parade de carnavalesque, c'est-à-dire que les groupes de carnaval, ouais. La population diamantinoise aime beaucoup ce genre d'animation. Voilà. Ouais. Alors, dès vendredi 12, nous avons l'élection de la mini-reine et de la reine-mère du Diamant. Alors, ça va se passer à 19h au marché polyvalent. Élection des reines. Alors, justement, j'ai été pendant de longues années un animateur de ce genre de manifestation. Mmh. Et on a senti un essoufflement. Il y avait moins de candidats, oui, etc. Ah oui. Alors, c'est-à-dire que c'est par exemple... Les gens des quartiers, par exemple, si chaque association présentait une candidate, C'est-à-dire que, oui, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. L'an dernier, on a dû faire introniser une mini-reine et une reine-mère. La génération de reines du carnaval, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que les filles qui ont entre 14 ans et 21 ans, ça ne les intéresse pas du tout. Alors, cette année, on est encore dans ce même schéma où nous avons les mini-reines. Et puis les reines-mères, voilà. Mais nous n'avons pas de candidate de reine, voilà. Alors, justement, mais Odile, l'autre Odile, qu'est-ce que tu penses justement des réflexions? Une nouvelle génération? C'est la nouvelle génération. Je partage l'avis d'Odile parce qu'en fait, on a même le fou à mobiliser des jeunes filles pour les élections. En fait, je pense que depuis quelques années, la grande mode est...
tout le monde va à Fort-de-France, en fait. Les lycées. À la convergence sur Fort-de-France, les géographes, voilà, tout le monde dehors. Les enfants, ouais, maintenant vont au lycée. Mmh. Les enfants sont déjà un peu plus libres que notre génération. Les enfants vont à Fort-de-France très facilement, en groupe. Tous ceux qui sont au lycée, on se donne rendez-vous à Fort-de-France. Ils vont faire leur vidéo à Fort-de-France. Donc, rester dans un cadre, je pense que ça les intéresse moins. Mmh. Voilà. Donc, c'est une question de visibilité. Faut d'ailleurs où à nous, faut d'ailleurs nous des rôles. Voilà. Mais la parade du Sud. Ou de la liberté. Vous participez, c'est également un espace de visibilité. Oui, oui, mais c'est différent, c'est encadré. Mmh. Ah oui, c'est différent, c'est encadré. C'est une grosse organisation. C'est une grosse organisation. Mmh. Mais je ne sais pas si les jeunes se rendent compte de tout ce qu'il y a derrière, de tous les efforts qu'on fait, surtout pour garder ce patrimoine qui est le nôtre. Mmh. Mais on a de grosses difficultés à mobiliser les jeunes. Les petites, ça, c'est plus facile, les mini-graines, parce que les parents sont derrière, les parents encouragent. Mais celles qui sont à même de prendre une décision elles-mêmes, c'est plus difficile. Mmh. Ouais. Parce qu'en fait, c'est souvent, par exemple, pour les mini-graines, c'est souvent elles qui demandent à participer. Mmh. On a ce cas-là. Vous n'allez pas aller chercher. Non. C'est oui, voilà. C'est soit les parents ou l'enfant même qui veut participer à l'élection. Alors pour cette élection de carnaval, nous avons en animation le ballet Tiffé en masque. Oui. Et puis nous avons aussi les étoiles du rocher qui sont les majorettes. C'est une association du Diamant. Elles vont participer à l'animation de cette élection. Ouais. Voilà. Alors, tu vas annoncer déjà dès maintenant cette fameuse élection aura lieu quand? C'est imminent, là. Ouais. Oui, alors c'est vendredi à 19h. Vendredi 12 janvier, oui, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très, très longtemps que l'on n'a pas fait d'élection de carnaval. Donc, on espère que la population sera présente en masse, mmh. Voilà, afin d'encourager ses parents, puisqu'en fait, il y a quand même des dépenses, qu'on le veuille ou non. Je voulais y arriver, oui. Mmh. Alors, vendredi, tu m'as animé l'espace. Est-ce qu'au Diamant, c'est prévu un espace pour ce genre de manifestations populaires, eh bien, pour le nous, stade du Bama. Non, nous allons faire ça au marché polyvalent, voilà. Oui, c'est toute une logistique à mettre en place, puisque le lendemain, il y a le marché. Donc, en fait, c'est déménager pour réaménager. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de soucis. Et puis, c'est quand même un espace ouvert. Voilà. On va revenir vers l'autre deal, l'élu, on va dire ça. Alors, on a parlé d'espace pour accueillir la population. Au Diamant, il n'y a jamais eu vraiment de salle de spectacle. On fait toujours ça dans le marché, en public. Dans le marché, où précédemment, il y avait plus de candidats, on le faisait au stade. Au stade de foot. Donc, on mettait un podium sur le stade. Les gradins du stade servaient d'estrade, en fait. Oui. Donc, du coup, on y pense à une salle de spectacle parce qu'on a plein de grands projets. Et puis, il y a une population qui grossit. Ah ben oui. Et bon, après, on ne peut pas tout faire sur la première mandature, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Et il y a ce besoin, en tout cas, de salles, autant pour la municipalité que pour les associations également. On va revenir encore vers l'autre. Alors, j'ai deux audits, vous avez compris que là. Et tu n'es pas Tony au pays du soleil. Alors, on va s'attaquer à quelque chose de très important. Mm. Une élection de reine, c'est festif, on rigole, mais c'est également une manifestation culturelle où certains éléments du patrimoine sont mis à l'honneur. Récemment, mon ami Sabine Andivon-Milton a organisé les journées de la robe traditionnelle. Est-ce que tu penses que ça échappe à cette nouvelle génération, toutes ces valeurs fondamentales? En tous les cas, moi, je trouve que ça a été une très belle initiative parce que ça a très, très bien marché. Ça a marché. Alors, ça a marché, mais c'était médiatisé aussi, je vous le dis. Au Diamant, nous avons fait plus qu'on nous a demandé. On a fait les agents participer, les collègues des écoles ont participé. Vraiment, c'était le 23 et le 24, le réfectoire était décoré au couleurs traditionnelles. Il y avait vraiment, il y a eu un très très beau travail qui a été réalisé par les agents de la ville du Diamant. On va se retourner vers l'élu. Alors justement, j'ai parlé de parce que dans le cadre du carnaval, ça fait accessoire de ce côté-là. Est-ce que tu penses qu'une réflexion doit être menée de manière en profondeur sur vraiment notre patrimoine, le stock traditionnel? Je pense parce que ça se perd. On perd quand même nos valeurs, on perd nos fondamentaux. Après, les jeunes sont très portés sur le look, mais le forçat est encore très à la mode. Ah, oui. Mais l'origine, enfin voilà. Il y a plein. On perd nos valeurs, je pense qu'on perd nos valeurs. Parce qu'on on est dans le monde, donc on s'intéresse beaucoup aux choses du monde, mais on perd un petit peu ce qui est à nous.
Et pour les jeunes, c'est un peu vieillot, c'est rétro. Oui, mais maman, oui, mais ça, c'était avant, ça, c'était ton temps. Oui, mais ça, ça nous appartient, en fait. Et nos grands-parents nous l'ont transmis, il faut aussi le transmettre à nos enfants. Oui. Alors, mais là, puis un petit peu, je ne dis pas que je te persécute. Est-ce que toi-même, tu te serais habillé en traditionnel? Bien sûr. Tu l'as fait? J'adore la robe traditionnelle. D'ailleurs, je projette d'en faire une prochainement parce que la mienne est en plus sur moi. Et je me disais qu'il y a l'élection déjà vendredi, je n'ai pas eu le temps de faire confectionner ma robe, mais j'adore la robe traditionnelle. Moi, j'ai baptisé mes enfants, j'ai porté ma robe traditionnelle. Oui, bien sûr. Maintenant, on peut les mettre dans toutes les couleurs. Oui. On n'est pas obligé de. On peut garder le style sans forcément rester dans du madras. On peut panacher le madras à d'autres couleurs. D'ailleurs, on le voit très bien dans les ballets. C'est formidable, en fait. On a un patrimoine qui est exceptionnel. Il faut qu'on le garde et il faut qu'on le transmette. Maintenant, qu'ils ne veuillent pas mettre tous les jours, mais on a des grandes occasions qui nous permettent de remettre nos grands robes, de nous parer de nos bijoux. C'est tout l'intérêt de la femme antillaise. Tout ce qu'elle dit, c'est très. Je ne vais pas te demander si toi, parce que toi-même, je suppose que tu étais certainement traditionnel. Et est-ce que tu penses que justement, dans le cadre de l'élection, on le précise, le vendredi 12, tout ça c'est prévu? Il y aura un phénomène intergénérationnel où quand ils montrent petit, puis tout ça c'est prévu parce que c'est un élément du lien social. Hein, Alors ce que je veux aussi, parce que j'ai entendu beaucoup les gens dire que que les gens se servaient du carnaval pour mettre la grande robe. Mais heureusement qu'il y a eu ce carnaval. Puisqu'en fait, s'il n'y avait pas eu les élections de carnaval, ça aurait disparu complètement. Mais c'est vrai que, par exemple, lors des journées de la tenue traditionnelle, on a fait un jeu sur les robes et les bijoux à porter. Donc les enfants, ils comprenaient pas qu'en fait, suivant la robe qu'on avait, il fallait d'un bijou entre chaussures, boucles d'oreilles, bracelets, ça. Donc quand on leur a expliqué ça, ils comprenaient pas ce que l'on disait, mais ils ont apprécié. En tous les cas, les scolaires ont beaucoup apprécié cette animation. Est-ce que vous êtes au niveau de la municipalité de toi-même, est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée, par exemple, de faire un petit musée, un mini-musée avec ce genre de choses-là? Ça existe, hein, déjà. Oui. C'est une idée qui peut germer. Non, mais on n'a pas cette idée-là, mais moi, je pense qu'il ne faut pas perdre cette tradition. Et il faudrait que toutes les années qu'on pérennise cette manifestation, parce que on a une diamantinoise qui est Marie-Ange Ravin, spécialiste. Elle a déjà fait des défilés au diamant, mais elle va au-delà. C'est-à-dire, elle parle de la franchise, sur la tenue de la femme affranchie, la tenue de celle qui vendait et nous avons encore au diamant, c'est une cousine à madame Ravin qui est Gina Hatti, qui fait aussi des défilés, mais elle fait plus les déclinaisons de la grande robe de cérémonie. Donc vraiment au diamant, on peut dire que vous avez des éléments de référence. On va revenir vers l'élu. Alors là, justement, on a parlé, mais en matière de candidature, là, finalement, on est aux portes de l'événement. Vous avez déjà combien de candidates, là? Chez les petites, on a deux mini-reines. On n'a pas de reine, comme on a dit tout à l'heure. Et on a une reine-mère. Donc, on a une reine-mère. Deux générations, petit et grand. Au milieu, il y a... C'est-à-dire qu'on avait deux candidates mini-reines, deux candidates reine-mère, et puis il n'y a pas longtemps, il y a eu un désistement. Vous attribuez ça à quoi? C'est mon envie de parler, etc. Non, c'est que je pense que les gens ne savent pas à quoi ça représente. Voilà. Les gens ont l'impression que c'est une élection de Miss, et qu'il faut qu'ils parlent, qu'ils parlementent, enfin qu'ils...
Alors, Odile, on entre maintenant dans le carnaval, on a compris l'élection. C'est vendredi, pas oublier ça. Oui. Donc, il y aura évidemment un programme agrémenté de danse. Alors, le vendredi d'après, il y a la sortie des... Mais attends, le programme de l'élection, il y a quand même des danses hier. Oui, alors oui, il y a le ballet Tifer Masque. Donc, c'est un ballet oui, très bon, avec de beaux costumes. Des trois îlets, mais il y a beaucoup de diamantinois qui en font partie. Et ils vont présenter diverses danses traditionnelles. Et ils ont l'habitude des élections de carnaval. Donc, en fait, ils pensent d'ailleurs nous proposer des choses bien plus d'habitude. Le carnaval avance, avance. Donc, il y aura cette élection à ne pas manquer, là, le vendredi 12. Alors, vous... Alors, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Mais il faut préciser tout ça. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc, c'est un spectacle. Voilà, voilà. Et puis, il y aura également la participation à la Parade du Sud. Donc, vous aurez des délégués en Parade du Sud, au moins, pour les deux niveaux. Petite et grande. Voilà. Oui, la reine mère et la mini-reine, normalement, paraderont à la Parade du Sud. Mmh. Et puis, on précise aussi qu'on va recevoir chez nous l'élection de la reine du Sud. Donc, l'élection se fera chez nous. Par contre, là, au stade. Ah, mais oui, c'est un espace quand même. Voilà. Voilà. Mais c'est quand même important pour la On l'a déjà fait, ça fait la troisième fois qu'on accueille l'élection de la reine du Sud. Et en fait, ça a toujours bien marché au Diamant. Donc, en fait, cette année, on a voulu... Tu rappelles la date quand même, Reine du Sud? Alors, c'est le dimanche 4 février. Dimanche 4 février. Voilà. Déjà, on est à la veille des Jougas. Hein, oui, voilà, c'est ça. Donc, Reine du Sud, n'oubliez pas, ça va se passer sur le stade du Diamant. Alors, le dimanche 4 février. Oui, le dimanche 4 février, on aura les mini-reines et les reines. Tandis que la reine-mère... C'est lors de déjeuner prestige. Ça se passe chez Titi, à Rivière Pilote, à l'espace Corail. Et on va faire l'élection de la reine-mère. Voilà. Ah non, mais il faut donner toutes ces précisions-là. Oui. Alors, c'est le dimanche 28, il y a l'élection de la reine-mère du Sud. 28 février, la veille des jours, quand même. 28 janvier. Voilà. Organisé par le comité de Sud. Voilà. Qui est présidé par M. Yanis Lucré. Oui, je connais, très actif. Hein. Oui. Alors, on va revenir également avec, alors, carnaval, élection, tout ça, c'est gentil, mais est-ce qu'il y a des initiatives, par exemple, envie qu'on vienne inviter les souhaits, comme on fait en ville avec mes camarades, moi? Parce que, non, mais, à fond de fond, le bon canal parti, c'est pas, on va partir là où il y a. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des initiatives, des associations? Des associations, un peu moins qu'avant. Parce qu'on rencontre toujours le problème du nombre, parce qu'en fait, tout le monde veut exprimer sa liberté, enfin, se déguiser comme il veut. Avant, on avait des grands groupes, les associations avaient chacune des groupes de 40-50 personnes. Maintenant, ça me nuise un peu. Toutefois, l'association OZK, le groupe à pied du Diamant, OZK Connect, eux, ils organisent avec la municipalité, des parades nocturnes. Attends, tu précises que c'est un groupe, un orchestre de rue. C'est un orchestre de rue. Ah non, mais c'est important parce que. C'est l'orchestre de rue du Diamant, d'ailleurs. Du Diamant. C'est-à-dire qu'au Diamant, c'est difficile parce que le soleil. Se couche tard, voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile de faire son vidé sous le soleil. Mais on a trouvé une parade justement depuis l'an dernier, c'est-à-dire qu'on propose que tout le monde aille à Fort-de-France, mais qu'ils reviennent au Diamant à 19h. Et puis le soir, on peut courir la vidéo en nocturne. À 19h, et vraiment, c'était formidable l'an dernier. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris, mais ce que l'on veut faire savoir, c'est que dans ce groupe de carnaval qui est OZK Connect, il y a des jeunes qui ont envie de se voir à Fort-de-France, qui ont envie de courir le vidé à Fort-de-France. Et puis, il faut aussi que ce groupe ait une visibilité ailleurs, donc de par la télé. Et en fait, le mieux, c'était de proposer qu'ils viennent, qu'ils aillent à Fort-de-France le dimanche et qu'à 19h, on ait notre vidé on the night. Ça se fait, on va citer les communes, mais dans plusieurs communes, il y a des groupes qui courent le vide à Fort-de-France pendant la journée, tout en soleil, mais le soir, on les retrouve dans leur commune. Et alors, en fait, ça a très bien marché. Donc, en fait, cette année, on l'aura aussi le dimanche et le mardi. Ouais. On va jeter un coup d'œil quand même sur la fête patronale. Alors, la fête patronale commence quand? Le 19.
le 19 janvier, un peu avant janvier, hein, ouais, un peu avant le carnaval. Ah bon, c'est tout près là, oui. Oui, c'est tout près, c'est dans 15 jours à peu près. Donc, on va commencer notre programme en semaine, le vendredi 19, avec une manifestation qui s'appelle Nos agents du talent. Oui. Et ce sont les agents de la ville qui vont nous proposer quelque chose pour l'instant. Il y a des œuvres d'art, des peintures, tout cas, des modes, etc. Quoi. Le titre parle de lui-même. Nous, en tout cas, ce serait la surprise pour nous. Oui, au niveau de la mairie. On a des talents, des vocations qui vont se révéler lors de cette soirée. Alors, dans le cadre de la fête aussi, on a le vin, on a Vavalo Marché. Donc, ce sont les reines qui sont élues le 12, qui vont ressortir. Oui, que les deux événements. Oui, voilà. Oui, sont le oui, vin. En symbiose. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, les reines vont sortir le samedi 20 à 10h. Avec le groupe OZK. Avec le groupe OZK, donc le groupe à pied du diamant. Tout ça à la commune. Les trois. Voilà. Donc, on aura aussi. Ce même samedi, Jet Attitude qui va proposer une initiation au jet ski aux enfants sur la plage. Donc ils devront s'inscrire. Voilà. Donc et puis le soir, on aura une manifestation de l'association L'Éclat des Résignés. C'est l'association senior du Diamant qui va proposer une prestation de haute taille sur la place de l'église. Voilà. Il n'y a pas de podium populaire, non. C'est plutôt. En fait, sur la place de l'église, on a une espèce, on a un amphi. Petit amphithéâtre. Voilà. Donc on va faire, il sera couvert et on va pouvoir proposer des manifestations en dessous, en amont de l'ouverture officielle, en fait. Et puis petite question, de la fête économique, de la fête là, il y aura un dimanche de fête ou bien deux dimanches de fête. On en a deux. On en a deux avec un gros et un moyen parce que quand même. Il faut qu'on y aille mollo, il faut qu'on puisse faire proposer des manifestations toute l'année, donc il faut qu'on soit raisonnable. Sachant que l'année dernière, on s'est fait plaisir parce que c'était notre première fête patronale. On a une superbe fête. Cette année, elle sera un peu plus modérée, mais il y aura de quoi contenter tout le monde. Voilà. Vous avez compris, les rendez-vous, c'est là, c'est au diamant, là, OK? OK, le vendredi 12, élection des reines, les fêtes patronales, tout le bagage. Alors, on va vous laisser. Alors, chacun, vous allez vous partager, vous lancez votre message. Vous lancez l'appel face au public. Nous gardons son diamant et ça nous gagne. On commence par. Nous gardons son carnaval, hein, puisqu'en fait, nous n'y l'élection la reine, nous n'y sortis des reines, nous n'y parade, nous n'y vidant pyjama le mercredi matin, le mercredi décembre au matin, puisque bon, partout il y a un petit peu des vidées carnaval. Et puis, on voudrait que toute la population soit présente et puis afin d'enterrer Vaval, puisqu'en fait, on a, comme d'habitude, on enterre notre Vaval au quartier Morne-Blanc. Voilà. Ah ben, Madame l'élu, donc, au nom de la mairie du Diamant, vous parlez à la population martiniquaise. Alors, pour ma part, je vous convie à notre fête patronale qui aura lieu du 19 janvier au 28. Donc, la cérémonie officielle aura lieu le samedi 27 au soir. Donc, nous vous attendons nombreux. Les détails du programme seront publiés sur nos réseaux. Donc, consultez nos réseaux. On a un Facebook, un Insta, un site internet, Iliwap. Donc, le programme sera largement diffusé. Nous vous attendons pour la cérémonie officielle et puis surtout pour le podium final du 28 au soir. Eh bien, maman, elle a compris. Ben, elle a parti. Nous gardons son diamant, nous monter diamant, la fête carnaval. OK? Nous tous, nous gardons son diamant. À très bientôt sur ZOOK TV.